Message intuitif pour le duo Scorpion-Capricorne. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce tirage vous inspire, comme il peut être destiné à un autre duo né sous les mêmes signes. Pour commencer, pour me donner un peu l'atmosphère du tirage, j'ai pigé deux cartes de mon jeu haut et c'est la carte Aimer et celle où on voit le clown. J'ai eu l'impression ici qu'on était tombé en amour avec un personnage public. On parle d'un personnage. On aimait ce personnage. La carte maintenant de l'espoir me parle du signe du scorpion. Bien ici, on voit que notre scorpion était désorienté, qu'il avait perdu son sens, perdu son étoile, son idéal. Et je pense que ça faisait longtemps que ce scorpion attendait ce Capricorne. Il y a une notion d'attente. C'était long. On perdait espoir là, en cette situation. On me présente le Capricorne avec la carte de l'autorité à l'envers. Bien sûr, on me le représente comme une personne qui a une forme de pensée rigide. Je ne perçois pas d'ouverture d'esprit quand je regarde la carte. Je perçois plutôt une fermeture, une rigidité, peut-être même de l'entêtement. Est-ce que c'était une personne têtue, peut-être un peu centrée sur lui-même ou sur elle-même? Je ne perçois pas là ici qu'une relation était possible en ce temps. Mais on avait de la difficulté à lâcher prise sur cette relation parce que j'ai la carte du nouveau commencement ici qui est à l'envers qui me le dit. On le savait là qu'on devait quitter, qu'on devait changer de direction, mais on hésitait et on n'était pas capable de se détacher de ce lien. Peut-être qu'on gardait espoir. J'ai la carte de la sagesse ici à l'envers, qui nous dit qu'on devait se réorienter parce qu'on n'était plus vraiment à l'écoute de nos besoins véritables. La carte de la sagesse à l'envers nous invitait à se recentrer, à se ramener à soi, à peut-être même réaliser qu'on était en amour avec un personnage, parce que la personne en tant que telle, bien, quand je regarde la carte de l'autorité à l'envers, bien, me semblait plutôt inaccessible, non disponible à la relation. Même si le personnage public, qui est représenté par la carte du clown, représentait quelqu'un d'ouvert aux gens, d'ouvert au monde, disponible, il y avait comme une sorte de jeu de théâtre, en ce tirage, une sorte de jeu d'illusion. La réalité ne correspondait peut-être pas tout à fait à ce qui était joué, mis en scène, une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. Probablement que ça appartient encore une fois au passé. C'est un peu comme si on faisait un nettoyage. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.